poser une question sur le coaching continu. C'est une excellente question et merci Jérôme. Nous n'avons pas de tradition de coaching. Nous n'avons pas de tradition de business angel. Nous n'avons pas de tradition de ça. J'ai bénéficié. Et pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui? Pourquoi je suis venu à l'Uni? Pourquoi est-ce que chaque fois qu'on me sollicite, je viens, je le fais? J'ai eu la chance de bénéficier de coach. J'avais des gens qui étaient totalement désintéressés, qui n'avaient rien, qui ont trouvé que j'avais un potentiel, que j'avais quelqu'un qui avait des idées et qui m'ont pris sous leurs ailes, qui m'ont permis d'apprendre le métier, qui m'ont permis de. Qui m'ont fait. Ils n'ont pas été sympas. Allez, moi, je prends le billet, c'est bien, je n'ai pas besoin qu'on me caresse. C'est pour m'envoyer au front, c'est pour analyser avec moi les erreurs. C'est des vrais coachs, dans le sens coach sportif. C'est-à-dire, c'est pas être le papa, non, c'est pas ça. C'est vous dire vos erreurs, c'est vous être dur avec vous, c'est vous éventuellement vous aider à ouvrir une porte parce qu'elle est fermée. Oui, absolument. C'est que, moi, j'ai eu la chance, dans ma carrière nationale, de bénéficier. Voilà. Merci. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de bénéficier, à trois moments très importants de ma vie, j'ai bénéficié de gens qui m'ont dit, tiens, tu gagnes la. Vas-y, passe par. Et je vais vous dire, le premier s'appelle Roland Faux, c'est quelqu'un qui a 90 ans maintenant, que j'appelle encore, c'est mon maître. Sans lui, j'aurais rien. Après ça, c'était quelqu'un qui est juif, c'est juif de Tunisie, qui s'appelle Gilbert Sarfati, qui est patron d'une société qui s'appelle Inergy Management, qui m'a ouvert les portes, qui m'a. J'ai pleuré, il m'a tellement cassé que j'ai pleuré parfois. Pourtant, j'étais un homme, mais ça ne veut pas dire, pas dans le mauvais sens, pas me casser pour me casser. Me dire, excusez-moi, je suis grossier, pour me dire, prends un compte, t'as fait ça et ça, regarde, voilà, t'as pas pu faire ça et ça et ça. Et c'est ça le challenge. Et j'ai eu ça, donc voilà, les deux principaux, c'est, je les remercie, c'est vraiment exceptionnel. Donc Roland Faux, le premier, et Gilbert Sarfati, c'est le deuxième. Autre question? Donc, vous avez là, je pense que l'ENIT a mes coordonnées. Moi, je suis vraiment. Donc, je travaille aussi avec l'AQP, l'organisation où on essaie depuis un mois, j'essaie d'être avec eux. Donc, n'hésitez pas, pour des questions précises, techniques, des choses comme ça, je suis à vos dispositions. Vous avez mon mail, vous avez mes coordonnées. Je ne peux. C'est vraiment, au fond, je ne fais que rendre ce que mes aînés m'ont donné. Okay, donc pour moi c'est un bonheur, c'est un plaisir de pouvoir donner ce que j'ai reçu. Okay, donc merci encore une fois à vous et bonne continuation.